Plat préféré de français, couscous. Le plat méditerranéen, tout le monde aime couscous. En France, il a pris première place les plats que les Français mangent. Après, c'est la pizza et après seulement, c'est kebab. Voilà, aujourd'hui, on va préparer un couscous. Très bon couscous, facile à faire et rapide, avec plein de légumes. Beaucoup de gens qui n'aiment pas les courgettes, les carottes, avec cette sauce de couscous, mangent et ils demandent plus. Préparez-le, c'est très bon, facile à faire et on regarde comment préparer ce couscous. On a besoin de la viande, j'ai la viande d'agneau, vous pouvez prendre n'importe quelle viande, du poulet, du bœuf, que vous voulez. On a besoin des légumes, des haricots plats, j'ai des haricots congelés, peut-être 300 grammes, un oignon, des carottes, des courgettes, trois courgettes déjà découpées chez moi, la tomate, purée de tomates ou purée concentrée, l'huile, safran, de l'ail, sel, poivre, curcuma, cumin et coriandre. Couscous, bien sûr. On met de l'huile, notre viande, et on va tout bien dorer. On a mis du sel. Notre viande a bien doré, j'ai mis les oignons, et on va cuire encore 5 minutes. J'ai mis du sel, mon couscous, une bonne tasse, et regardez les proportions sur la boîte, combien. Et on verse 2 bonnes cuillères à soupe de l'huile. On verse l'eau bouillante très chaude. On couvre juste notre couscous. Voilà, on a couvert. Juste un petit peu, ça dépasse. On mélange bien. Et on peut cuire une minute. Une minute, c'est suffisant. On coupe nos carottes des grands morceaux. Ici, la tomate en dés. Voilà, on coupe comme ça, grossièrement, c'est pas grave. Je vais mettre tous mes légumes. Deux bonnes cuillères à soupe de sel et on recouvre avec l'eau chaude, tout qui soit bien couvert. On rajoute un petit peu de sauce tomate ou pasta tomate concentrée, une cuillère à soupe ou un verre de tomate. On rajoute tous nos épices, coriandre, une cuillère à café. Une cuillère à café de cumin, une bonne cuillère à café du curcuma et 2 doses de safran. On sel, on a salé, on va mettre du poivre. On mélange tout pour que les épices vont partout. Maintenant, on va cuire pendant 1 heure au feu moyen. Vous regardez les épices, si vous voulez rajouter du cumin, curcuma, un peu de coriandre, vous testez du sel peut-être, vous testez, vous goûtez dans 30 minutes quand tout a bien cuit et vous rajoutez s'il faut. Mon couscous est prêt, regardez, vous le passez juste un peu avec la fourchette et il est bien, il n'est pas gluant, pas collant. Super. Voilà, mon couscous est prêt, on va servir. Les graines aussi, tout est prêt. D'abord les grains dans l'assiette. Puis la sauce et la viande. On met ce plat à table et tout le monde se sert. Chiche, 2 cuillères à soupe. Vous rajoutez à la fin si c'est cuit, si c'est pas cuit, vous mettez au début. On a servi notre couscous, la sauce à côté. Tout le monde prend la sauce combien elle veut dans son assiette.